Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce nouveau live aujourd'hui. Ce soir, nous sommes le 1er mars 2022, il est 19h, et nous sommes ensemble pour une heure. Donc, je vous souhaite d'abord le bonsoir à tous, aux habitués comme aux nouveaux qui nous rejoignent ce soir. Leur rappeler simplement que tous les autres lives sont sous l'onglet playlist. Dans la playlist, justement, Music Classroom Live, vous pouvez tous les retrouver. Chacun de ces lives traite d'un sujet très particulier. Donc, vous pouvez les revisionner, justement, vous nourrir un petit peu de tout ce qu'on a dit, de tout ce que vous avez dit, de toutes les questions également que vous posez sur ce chat. Et dire également que la première partie du cours sera consacrée donc aujourd'hui à la rythmique. Donc, et dans la deuxième partie, vous pourrez seulement poser vos questions pour ne pas interférer avec le cours, puisque pendant le cours, je ne vois pas vos questions. Donc, attendez la deuxième partie, vous pourrez poser des questions sur ce sujet ce soir qui touche la rythmique, évidemment, un sujet extrêmement important dans la musique et dans le piano, mais également, donc, ça touchera bien sûr tous les problèmes autour donc de la musique pour votre question et vos questions qui vont suivre. Donc voilà, bonsoir, Blaise est avec nous, Dimitri également, Roger, bonsoir Roger Henry, Old Jazz bien sûr, Jane, bonsoir, bienvenue en tout cas sur ce nouveau live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ensuite hein, dans la deuxième partie, comme ça, lorsque le cours sera fini, vous pourrez effectivement poser des questions sur ce sujet ce soir ou d'autres questions généralistes évidemment. Donc, merci à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas ce soir. Salut Yves, bienvenue en tout cas ce soir à nouveau sur ce nouveau live, premier du mois de mars, malgré le contexte un petit peu difficile, la musique continue bien évidemment. Salut Anne, bienvenue, bonsoir Wari, bonsoir SD, tous ces gens que je connais d'ailleurs, et je donne rendez-vous aussi tous les mardis, donc à tous les nouveaux qui nous rejoignent ce soir, tous les mardis 19h, heure de Paris, parce qu'évidemment, on est suivi aussi dans le monde entier, en tout cas dans tous les pays francophones, que ce soit l'Afrique, les Caraïbes, le Canada, etc. Voilà, donc, bonsoir Jean-Marie, bonsoir Jean-Yves également qui nous rejoint ce soir. Salut, j'espère que vous allez tous bien, que vous mettez tous ces lives à profit. Ces lives sont gratuits ainsi que les tutos. Je rappelle aussi aux débutants que chaque vendredi matin 9h, un nouveau tutoriel sur la chaîne Music Classroom, ainsi que tous les mardis 19h, comme ce soir, donc un nouveau live avec un nouveau sujet. Bonsoir Lydia, bienvenue. Bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que tu vas bien également. Mohamed nous rejoint également. Abel, bonsoir Abel, que je suis régulièrement d'ailleurs sur Facebook, hein, qui est très actif Abel hein, au niveau de tout ce qu'il joue justement sur son clavier ici. C'est intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Coltrane, bonsoir. Alex au piano également, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Vous savez, voilà, on a un contexte un peu difficile en ce moment, dans les relations internationales, mais vous savez que la musique est toujours là et c'est une source un petit peu d'optimisme, bien que moi personnellement, enfin, je possède mes idées, etc. Je pense qu'il faut oublier un peu ça pour une heure et puis essayer de plonger dans ce monde universel, en tout cas, de la musique. Blaise, salut! Alex également nous a rejoint. Blaise de Haïti. Haïti, je salue tous les Haïtiens qui me suivent et je sais qu'ils sont nombreux, en tout cas, qui suivent ces tutos, qui suivent ces lives également. Alors ce soir, on va parler de rythmique, évidemment. Quelle importance hein, dans la musique, la rythmique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on déchiffre, par exemple, une partition hein, et qu'on sait lire finalement une partition de solfège, il y a deux éléments essentiels pour pouvoir lire à la base, c'est-à-dire le nom des notes, évidemment. Vous êtes pianiste, donc le nom des notes en clé de sol et en clé de fa, la main droite et la main gauche. Mais il y a aussi le rythme, la rythmique, puisque les rythmes vont s'attacher à ces notes. Donc ce sont les deux éléments évidemment essentiels. Bonsoir. Salut Élisée, Gazati, bonsoir Gazati, Eliab nous rejoint également depuis la République, nous dit Élisée, démocratique du Congo.
Congo, oui, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de saluer un ami à moi qui s'appelle Mathieu Toussalamo, qui était un artiste avec lequel j'ai travaillé longtemps sur ses chansons, sur ses propres chansons. Voilà, donc je salue aussi tous les Congolais, hein, et Kinshasa en particulier, la capitale. Je sais que vous êtes nombreux de là également à nous suivre, comme beaucoup d'autres pays africains d'ailleurs, en général francophones bien sûr, comme effectivement le Cameroun, etc. Voilà, et eh bien Eliab, bonsoir également, de la Côte d'Ivoire, oui, que j'ai oublié de citer, puisque vous êtes nombreux également dans ce continent à nous suivre. Et j'en suis d'ailleurs ravi. Voilà, 16D, le savoir de Delhi, c'est Delhi Muyenga depuis la Tanzanie. Ah, d'accord, Tanzanie. Tanzanie, tu parles donc français, puisque la Tanzanie, normalement, est anglaise, hein, c'est-à-dire que la langue est anglaise en général, en dehors de tous les dialectes. Eh bien, bienvenue ce soir à la Tanzanie. C'est une première, je crois. Hein. Je ne sais pas si tu nous as rejoints déjà auparavant, mais enfin, c'est une première. Salut Yann, bonsoir également. Bienvenue sur ce nouveau live consacré donc à la rythmique. Alors, on va pouvoir commencer d'ailleurs et définir d'abord la rythmique, parce qu'il y a plusieurs éléments dans la rythmique. Le premier des éléments, c'est la mesure. Vous savez qu'il y a deux chiffres en général, un numérateur, un dénominateur, juste après la clé. Et donc cette mesure nous indique si on est dans une mesure à deux, par exemple, trois temps ou quatre temps. Alors deux temps, ça c'est en deux quatre en général, c'est-à-dire deux noirs par mesure. Trois temps, c'est trois quatre, c'est-à-dire trois noirs par mesure. Et quatre quatre, c'est-à-dire c'est donc quatre temps, quatre noirs par mesure, en tout cas pour l'unité de temps qui reste la noire. Alors, ce que j'aimerais, c'est ne pas confondre, tout d'abord, vous dire qu'il y a une différence entre une mesure qu'on va dire binaire et une mesure qu'on va dire ternaire. Par exemple, un 2-4 et un 4-4 sont des mesures binaires, c'est-à-dire 2 ou multiples de 2. Mais une mesure à 3-4 est une mesure ternaire. Alors, il ne faut pas confondre avec les temps ternaires, c'est-à-dire les temps binaires et les temps ternaires qui déterminent les mesures simples des mesures composées. Autrement dit, par exemple, un 2-4, c'est une mesure binaire. Mais si je mets 6-8, ça veut dire deux temps également, mais des temps sont ternaires cette fois-ci, c'est-à-dire 6-8 et 2-4. 2-4, c'est une des temps binaires, c'est-à-dire une mesure simple. 6-8, donc son équivalent en ternaire, c'est une mesure donc ternaire. C'est une mesure donc toujours binaire, pardon, mais qui possède des temps cette fois-ci ternaires. Alors, entre ce ternaire et ce binaire, je vais vous jouer deux choses différentes pour que vous puissiez entendre un petit peu la différence. Salut Richard, qui lui nous vient du Togo. Bienvenue, hein, Pierre également, ravi donc de nous revoir, de te revoir aussi d'ailleurs. Alors, je vais vous jouer juste quelque chose d'improvisé, classique comme ça, qui est des temps binaires, c'est-à-dire une mesure tout à fait donc simple. On va voir ceci. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors ça, c'est une mesure simple. Parce qu'effectivement, les temps sont binaires, les temps sont divisibles par 2 ou des multiples de 2, hein. Ça peut être 2, 4, 8, etc. Maintenant, je rejoue un petit peu l'équivalent, mais dans une mesure, si vous voulez, ternaire. Et là, on va en sentir le 1, 2, 3. On va essayer, en tout cas, ça fait ça. Voilà, là j'ai joué quelque chose en do majeur, donc très très simple. Mais ici on sent le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors j'aurais pu mettre trois croches comme ça. Voilà, on aurait pu mettre six doubles croches aussi comme ça. Deux, trois, quatre, cinq, six, un. Donc là, on est dans une mesure évidemment
composer parce que simplement les temps sont ternaires. Donc voyez le premier, si vous voulez, le premier paramètre de la rythmique hein, en musique, c'est évidemment la mesure. Est-ce qu'on a une mesure binaire ou est-ce qu'on a des mesures simples? Est-ce qu'on a une mesure ternaire comme 3-4 ou est-ce qu'on a une mesure 9-8 composée, d'accord? Simple, composée, d'accord? Mais ce n'est pas le seul paramètre dans la rythmique. Dans la rythmique, il y a aussi ce qu'on appelle donc évidemment le mot me manque, mais ça va venir. Oui, il y a également donc les valeurs de notes elles-mêmes cette fois-ci. Alors les rondes, les blanches, les noires, les croches, les doubles croches, ça peut aller également au triple croche, quadruple croche, etc. Voilà. Ça, ce sont les valeurs de notes. C'est le deuxième élément de la rythmique. Alors évidemment, donc, ce deuxième élément rythmique, donc, qui touche les valeurs de notes elles-mêmes, vous le savez, on peut avoir des rondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Là, je joue des accords, par exemple, en ronde, d'accord ? On peut les jouer aussi en blanche. 1, 2, 1, 2. Ici, on a des valeurs à la blanche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc deux blanches par mesure. Ici, j'ai pris une mesure à quatre temps hein, pour vous simplifier les choses. Mais on peut le faire à la noire aussi. Là, je suis à la noire. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Mais on peut aussi jouer des croches, par exemple, dans la mélodie. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Là, je suis à la croche. On pourrait aller à la double croche. En binaire, là je suis en binaire, je suis dans une mesure donc simple, hein, puisque les temps sont binaires, d'accord. Mais on peut trouver l'équivalent dans mesure composée. Alors en mesure composée, si j'ai une mesure à 4 temps, par contre, il faudra une ronde pointée pour jouer 1, 2, 3, 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 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
on va avoir un silence, et puis en levé, on va avoir la note. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, là je suis en contretemps. 1. Ça se traduit par un demi-soupir croche à chaque fois. Demi-soupir croche sur chaque temps, hein, ici, de cette mesure. Ça, c'est le contretemps. Ben, la syncope, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'est encore une note ou un accord qui est accentué sur la levée d'un temps, c'est-à-dire non pas sur le temps lui-même, mais sur sa deuxième partie, et qui est prolongé donc sur un temps faible ou fort, hein, peu importe. Et là, on a... En comptant, ça fait 1. Et je finis sur un temps. Voilà, ça, c'est la syncope, d'accord ? La seule différence avec le contretemps, c'est que là, c'est prolongé. Alors, comment on prolonge une note ? Ben, simplement par une liaison ou par un point. Si la note est pointée, on peut la prolonger comme ça. 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3, 4, et 1 sur le temps, par exemple, pour finir. Vous voyez donc, voilà, le syncope, les syncopes et le contretemps. Alors, il y a d'autres éléments dans les valeurs rythmiques, hein, qui ne sont pas seulement, évidemment, donc les blanches, les noires, ou en ternaire, les blanches pointées, les rondes pointées, les noires pointées, ou les croches. Il y a d'autres éléments qu'on appelle également les triolets et les duolets. Qu'est-ce que c'est un triolet ? Un triolet, c'est trois notes égales. Mais c'est donc un rythme ternaire, hein, puisqu'on est sur trois. Et puis, on l'introduit, ce rythme ternaire, donc dans une mesure à temps binaire. Par exemple, j'ai du binaire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et puis ternaire avec un triolet. Voilà, j'introduis du rythme ternaire dans une mesure à temps binaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le triolet. Alors, comment on le note ? C'est simplement trois notes égales, comme trois croches, par exemple, attachées l'une à l'autre, hein, par une petite barre au-dessus, horizontale, et puis un petit 3 au-dessus. Ça veut dire que j'introduis, évidemment, du ternaire dans le binaire, d'accord ? Dans une mesure binaire. Mais l'inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'on peut introduire du binaire dans une mesure à temps ternaire. Par exemple, ça s'appelle donc un duolet. Un duolet, ça va être deux notes qui vont être introduites dans une mesure à temps ternaire. Autrement dit, le binaire, je suis dans une mesure ternaire, admettons. Et là, je passe en binaire avec des duolets. Voilà, 1, 2, 1, 2. Alors, j'étais dans un temps ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord ? Donc, introduire du binaire donc, dans une mesure à temps ternaire, c'est ce qu'on appelle le duolet. Il se note comment ? Simplement, deux croches, par exemple, deux croches avec un petit 2 au-dessus. Voilà. Donc introduit dans une mesure à temps ternaire, c'est-à-dire une mesure composée, d'accord ? Voilà, donc ça c'est la deuxième composante du rythme, donc après la mesure, c'est-à-dire les valeurs de notes. Les valeurs de notes, on les a vues, les rondes, les blanches, les noires, les croches, les doubles, etc., je l'ai dit tout à l'heure, mais également les syncopes, c'est-à-dire des rythmes qui sont décalés par rapport au temps, hein, qui accentuent donc toujours la partie faible d'un temps, hein. Si on a deux croches, la première est sur le temps, nous on va accentuer la deuxième croche, donc ça fait quelque chose de bancal comme ça, d'accord ? Ça c'est les contretemps, ou bien les syncopes comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, il y a une troisième composante hein, de la rythmique en musique dont on ne parle pas souvent, c'est le tempo. Alors, le tempo, c'est quoi ? C'est donc ce qui est indiqué par exemple par un métronome. Hein, on dit noir égale 60, ça veut dire qu'il y aura 60 noirs ou 60 pulsations dans une minute, ou noir égale 120, ou blanche égale, etc. etc. Ça, c'est une indication de vitesse, hein, c'est une indication métronomique, donc une indication de vitesse. Alors ce tempo, il peut être très lent comme ça.
voilà ce qui pourrait correspondre donc sur le métronome à quelque chose comme adagio par exemple ou lento ou etc. avec ces mots italiens que vous connaissez, que vous avez tous vu dans les partitions classiques notamment, où ce tempo peut être rapide évidemment. Un tempo modéré à rapide, hein. On peut avoir moderato ou andante ou des choses comme ça, ou plus rapide avec allegro, hein, allegro. Voilà, toutes ces indications correspondent à des vitesses. Alors, ce qu'il faut savoir quand même dans cette troisième composante du rythme, c'est que le tempo dans un morceau peut varier. C'est-à-dire que on peut avoir une double barre au milieu du morceau par exemple, et avant de continuer dire tiens on va changer de tempo, donc là on met le nouveau tempo noir ou croche égale et on indique la vitesse métronomique. Donc ça peut commencer par exemple lent comme ça, et puis finir plus vite. Voilà, donc vous voyez, on peut changer de tempo en cours de morceau, hein, d'accord ? Il suffit de mettre une double barre au milieu et d'indiquer la nouvelle vitesse métronomique pour changer de tempo, aller d'un tempo lent à rapide ou l'inverse, aller par exemple d'un tempo rapide à un tempo plus lent. Voilà, donc ce qu'on fait justement dans ce cas-là, c'est de l'indiquer évidemment sur la partition, mais dans les partitions classiques, c'est quelque chose d'assez courant d'ailleurs. Et puis lorsqu'on veut revenir au tempo du début, par exemple au tempo lent du début dans l'exemple que j'ai pris, eh bien, on fait une double barre et on marque à tempo plus loin. À tempo, ça veut dire qu'on reprend évidemment le tempo du départ, c'est-à-dire le tempo qui était au départ de notre morceau, hein, de notre partition. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ce tempo, eh bien, il peut ne pas changer brutalement. Il peut être progressif, c'est-à-dire on peut dire avec des termes comme accelerando, en accélérant, par exemple, je commence lent. Et j'accélère. Et je ralentis. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez progressif aussi ce tempo. Alors tout ceci, cette composante de tempo, c'est également, ça fait partie de la rythmique évidemment, puisque là on atteint la vitesse, c'est-à-dire la vitesse donc d'exécution, hein, d'accord. Voilà, donc voilà, trois composantes dans le rythme, hein, dans le rythme musical, je le répète, le premier c'est la mesure, c'est-à-dire indiquée par les deux chiffres, hein, qui a juste après la clé, donc sur la première portée uniquement, pas sur les autres portées qui suivent, uniquement la première partie, en début de première partie. Il y a ensuite les valeurs de notes, donc ces valeurs de notes qui sont, on l'a vu, les blanches, les noires, les croches, etc. Donc ils font aussi un petit peu la vitesse, hein, finalement, par rapport à un tempo. Mais dans ces valeurs de notes, il y a, on l'avait vu aussi, les contretemps, les syncopes, les triolets, les duolets, etc. Ça, c'est la deuxième composante du rythme. Et la troisième composante du rythme, c'est évidemment le tempo. Le tempo, c'est la vitesse. On a vu que ce tempo pouvait changer en cours de morceau, mais il pouvait être aussi progressif avec des crescendo, un crescendo de tempo, c'est-à-dire accelerando, ou alors des freinages carrément. Hein. On peut dire par exemple aller de plus en plus lent. On commence rapide par exemple. Et je ralentis. Voilà, progressivement. D'accord ?
Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu. Voilà, au piano, il y a toutes ces rythmiques, trois composantes qui sur le rythme évidemment. Et bien sûr, il faut maîtriser ces composantes. Alors ça a peut-être beaucoup plus d'importance dans la musique classique, évidemment, si vous jouez classique, si vous déchiffrez des partitions classiques. Tout ceci est souvent noté vraiment précisément sur les partitions. Sauf peut-être à l'époque de Bach, hein, c'est-à-dire au XVIIe, où Bach n'indiquait pas les tempi, il n'indiquait pas effectivement les accélérando, les choses comme ça, parce qu'on estime que c'est dans la musique et que le musicien qui interprète ces partitions baroques, eh bien, il doit être capable de sentir évidemment ces variations de rythme et de tempo, justement intrinsèques à la musique, c'est-à-dire c'est dans la musique elle-même. Mais à partir du XVIIIe, hein, l'époque classique, 18, 19, 20e, siècle, et on commence à avoir effectivement toutes les variations de tempo, toutes les rythmiques, etc., qui sont notées vraiment concrètement sur la partition, en tout cas pour ceux qui lisent le solfège. Ceux qui ne lisent pas le solfège, eh bien, il y a évidemment dans la musique, il y a toutes les composantes, c'est-à-dire que dans la musique, on peut deviner lorsque on a par exemple une nuance en crescendo, ou un accéléré, ou un diminuendo. Diminuendo, ça veut dire que je vais progressivement donc aller d'un tempo rapide à quelque chose de plus lent, etc. Hein, d'accord. Alors, il ne faut pas négliger ça parce que le tempo, toutes les indications hein, qu'il y a sur une partition font partie de la musique. Et si, évidemment, surtout en musique classique, vous ne respectez pas ces indications, évidemment, il va manquer quelque chose à vos interprétations. Donc, je le répète, il n'y a pas que les notes, évidemment, dans une partition ou d'un morceau de musique. Il y a également la rythmique, qui est extrêmement importante. Parce que c'est quoi la rythmique, finalement? C'est ce qui fait avancer la musique, c'est ce qui met la musique en mouvement. C'est-à-dire celle qui donne vie à la musique. Évidemment, des notes sans rythmique, ça serait des notes inertes, hein, quelque chose qui va rester en place, etc. Donc, c'est pour cette raison que dans nombreuses vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne et qui parlent de rythmique, c'est évident qu'on peut parler ici d'un véritable moteur de la musique. C'est ce qui fait avancer la musique. Donc deux choses importantes, si vous vous décidez justement à travailler un petit peu le solfège et la lecture de partition à vue, il y a donc les notes dans les deux clés pour les pianistes, hein, et les rythmes qui sont attachés à ces notes. Donc la rythmique, ça se travaille, ça peut se travailler à part aussi. Il y a des manuels qui vous permettent évidemment de taper vos rythmes, de lire des rythmiques. Notamment les batteurs font ça, hein, puisqu'ils n'ont que la rythmique évidemment, avec quelques pots ou quelques métaux différents dans leur batterie, les cymbales, tout ça. C'est de la rythmique et de la rythmique pure. Donc il y a des manuels pour travailler évidemment la rythmique. Il y a aussi des manuels pour lire les notes. Il y a des formations sur la chaîne Music Classroom en ce qui concerne les rythmes et les notes. Ces deux éléments vous permettent évidemment déjà de déchiffrer des partitions, vous voyez, donc ça prend un peu de temps, mais une fois que vous avez travaillé évidemment ces façons de rythmer, de lire les notes, à ce moment-là, vous allez gagner beaucoup de temps parce qu'en lisant des partitions, on peut monter un répertoire très rapidement. Alors que si vous le faites d'oreille, il y a évidemment certaines difficultés lorsque les morceaux sont trop longs. C'est difficile d'apprendre par cœur, évidemment. Donc l'avantage est à ceux qui lisent la musique, donc l'alphabet de la musique, hein, avec les notes et les rythmes. Donc la rythmique a une importance capital, voilà. Donc je trouve qu'on n'en parle pas assez, et évidemment on parle toujours de savoir déchiffrer des notes, mais les notes sans les rythmes, ça ne fait pas de la musique, d'accord? Donc la rythmique est primordiale dans l'apprentissage, non seulement de la musique en général, mais aussi de l'instrument que vous pratiquez, ici en tout cas le clavier, d'accord? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la rythmique au piano. Évidemment, cette rythmique souvent est régulière, on le voit dans les musiques populaires, le jazz, tout ça. On a un swing par exemple, qui est une musique ternaire, le swing, d'accord? Eh bien, c'est souvent basé sur un tempo qui lui est vraiment très très régulier. Donc ce tempo, évidemment, lorsqu'on ne l'a pas intérieurement, si on ne le ressent pas intérieurement et de façon très régulière, ce tempo, il faut s'aider évidemment d'un métronome. Hein, d'accord? Le métronome, lui, au moins, va vous guider exactement, en tout cas pour faire vos exercices, puisque vous savez, dans les morceaux et dans la musique, ce n'est pas quelque chose toujours de métronomique. Sauf si vous faites un swing jazz, évidemment. Un swing jazz, c'est du ternaire, mais il est basé toujours sur un tempo très, 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 très rigoureux. Hein.
peu de swing, de ternaire. Voilà, ta, des, da, des, da. Ça, c'est du ternaire, c'est du swing. Mais il est quand même basé sur une rythmique très, très rigoureuse, le swing. Hein. D'ailleurs, c'est le batteur qui vous donne ici le swing, d'accord ? C'est-à-dire le swing et à la fois le tempo. Et ce tempo, il est évidemment extrêmement rigoureux dans le swing. Donc, il faudra évidemment suivre ce tempo. Si vous ne l'avez pas, mettez un métronome. Entraînez-vous avec un métronome. Lui, au moins, il va vous donner évidemment quelque chose de très, très régulier. Voilà, c'est une habitude. Une habitude de travailler avec un métronome ou avec d'autres personnes. Si vous jouez en trio, par exemple, eh bien, le batteur, le contrebassiste va vous donner vraiment des choses très, très régulière si ce sont de bons musiciens, parce qu'ils doivent savoir tenir un tempo hein, pour vous guider, etc. Le pianiste également, bien sûr, va se calquer là-dessus, sur cette section rythmique. Voilà ce que je voulais vous dire, il est 19h30, alors je vais vous demander maintenant de poser des questions sur la rythmique. Si vous avez des questions sur cette rythmique, n'hésitez pas, puisque je vais essayer de vous répondre, en tout cas sur le sujet de ce soir. Par la suite, vous pourrez poser des questions généralistes sur tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous interroge, en tout cas, lorsque vous posez des questions, justement, sur la musique, sur la théorie, le solfège, ou bien d'autres choses, sur les accords, sur l'harmonie, etc. Je pourrai certainement vous répondre si vos questions ne sont pas trop généralistes, dans le sens comment jouer du piano ou pas. Essayez de préciser toujours vos questions. Coltrane nous dit « Merci pour le magnifique hymne ukrainien ». Ah oui, ça c'est une entreprise personnelle, hein. C'est vraiment une décision personnelle. J'estimais que je devais faire quelque chose à ma façon ici. Et donc ma façon c'était de reprendre cet hymne qui peut être très très joli. J'en ai fait un petit arrangement piano. C'est assez classique d'ailleurs dans l'esprit. Voilà. Mais écoutez-le avec des chœurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prenant, hein, bien sûr. Blaise, dans quel rythme on joue le gospel ? Eh bien le gospel souvent il est donc travaillé autour du blues. Donc autour du blues, ça peut être ternaire aussi. Ça peut être binaire aussi. Voilà quelque chose de binaire aussi hein, dans le gospel. Hein. Alors d'ailleurs j'ai fait un tuto là que je prépare ou que j'ai préparé déjà hein, sur le gospel, comment jouer le gospel au piano, donc un nouveau tuto sur le gospel parce que vous êtes nombreux à m'en demander donc, et je l'ai fait, j'espère le mettre assez rapidement donc en ligne, peut-être cette semaine, peut-être ce vendredi, peut-être un autre vendredi, ah non je crois que ce vendredi c'est un prochain tuto à 9h que je mets en ligne sur comment débuter en tant qu'adulte le piano. Voilà, je donne des conseils, des exercices également et je vais même jouer un petit morceau, même lorsque vous n'avez jamais touché un clavier de votre vie. Voilà, Sandrine nous dit bonsoir, bonsoir à toi. Coltrane, dans la musique atonale ou sérielle, y a-t-il une notion de rythme ? Bien sûr qu'il y a une notion de rythme. Ce qui change dans la musique atonale, c'est qu'il n'y a plus de tonalité, simplement. Donc ça touche l'harmonie, mais ça ne touche pas la rythmique. La rythmique est toujours là dans la musique atonale, bien sûr. Hein. La rythmique, c'est la vie d'un morceau, bien sûr. Ça va très vite vos questions, excusez-moi si je les loupe, n'hésitez pas à les reposer hein, parce que ça défile sur mon écran assez rapidement. Sur les parties, les nuances en italien sont indiquées. Alors c'est pas des nuances Jean-Marie, c'est pas forcément que des nuances, hein, ce sont des indications de mouvement surtout. Hein. Oui, elles sont indiquées en italien effectivement. Silver nous dit qu'est-ce qui indique un rythme ternaire ? Eh bien d'abord la mesure. 2-4, 3-4, 4-4, ce sont normalement des temps binaires. Donc ce sont des mesures qu'on dit simples. 6-8, 9-8, 12-8, c'est l'équivalent, donc nous indique ici qu'on est dans des mesures composées, c'est-à-dire où les temps sont ternaires, d'accord ? Moustapha, Bill, bonsoir. La rythmique composée, s'il vous plaît. Ben, la rythmique composée, c'est ça, c'est les rythmes ternaires. C'est 6-8, 9-8, 12-8, avec des temps ternaires où tu entends plutôt un feeling 1-2-3, 1-2-3, 1, voilà pour chaque temps, hein, d'accord. Yann, je ne sais pas si ça existe toujours dans les cours, mais j'ai appris la rythmique avec le iti pour les demi-tons 1 et 2 et 3 et 4. Ah oui, 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 ça peut, oui, on peut se servir de ce système pour comprendre, quitte à multiplier le métronome par 2.
Non, non, pas du tout. Tous les moyens sont bons pour comprendre un petit peu les principes, les mécanismes de la rythmique. Non, non, tout à fait, Yann. Doji nous dit: Bonsoir professeur, j'aimerais demander comment accompagner une chanson de façon basique. Bah, de façon basique, c'est de plaquer des accords en blanche ou en ronde, hein, comme ça, ou en noir. Pulsation comme ça, hein, qui va. Voilà. Alors après ça, il faut aller un peu, petit peu plus loin, bien sûr, Doji, hein, essayer d'avoir des choses un petit peu plus riches. Et ça, je l'explique dans un tuto que j'ai préparé aussi sur l'accompagnement de chansons, hein, je mettrai, j'espère, bientôt en ligne. Wari, en ce qui concerne le clic du métronome, comment savoir quel moment il faut jouer l'accord? Dans quel clic? 1, 2, etc. Alors, le métronome, lui, il t'indique un tempo, Wari, hein, d'accord? Ensuite, il y a la musique, la partition ou la musique, effectivement, qui te donne les valeurs de notes que tu dois placer sur ce tempo régulier, simplement. Alors, ça peut être sur le temps, ça peut être enlevé du temps, en syncope, en contretemps, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Eddie, greeting from Denmark. Oh, Denmark, my friend is Danish. She's called Miss Christensen. So, welcome. Welcome to our live music classroom live every Tuesday on at yes 7 p.m. So welcome, AD Gutason. Ok, Mustapha, je t'en prie, Mustapha. Jean-Marie, sur les partitions, les mouvements en italien sont indiqués, mais pas le tempo. Si, si, parfois le tempo et même le caractère, parce qu'au début, tu as parfois des andante ou allegro, ou voilà, ça t'indique ça, hein, une indication de vitesse également. Hein. Blaise nous dit le gospel américain et français qui est le plus compliqué. Exemple, s'il vous plaît. Alors, je sais pas quel est le gospel français. Moi, je connais pas. Je connais gospel américain. D'ailleurs, j'en fais un tuto et je vais l'expliquer plus précisément. Hein, d'accord? En tout cas, les harmonies sont à peu près les mêmes. C'est tout souvent basé sur des accords de septième de dominante. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de faire un cycle des quintes qui fait do, fa, si, do. Mi, La, Si et Do. Ben on fait des accords de septième dominante. Do 7, Fa 7, Si bémol 7, dominante encore sur Mi bémol, etc., etc. On enchaîne souvent des accords de septième de dominante dans ce gospel, bien sûr. C'est assez proche du blues, hein, finalement, ces harmonies. Voilà. Wari nous dit, que veut dire temps fort, temps faible ou jouer à quel moment? Alors, c'est très simple, c'est suivant la mesure. Par exemple, si tu as une mesure à deux temps, un en bas, deux en haut, le premier est toujours fort, le second toujours faible. D'accord? Si tu as trois temps, premier fort, deuxième temps moyennement fort et troisième temps faible. Le dernier temps d'une mesure est toujours faible. D'accord? Et si tu as quatre temps, premier temps fort, deuxième temps faible, troisième temps demi-fort et quatrième temps, dernier temps, faible. Voilà comment on explique en tout cas l'alternance de temps fort et de temps faible suivant une mesure donnée. Pierre Moina, si le tempo n'est pas indiqué sur la partition, on va prendre quoi comme vitesse pour jouer? Alors en général c'est indiqué, s'il n'est pas indiqué, je ne sais pas, soit tu connais la chanson et tu sais à quel tempo, peut-être lent, médium ou rapide, tu dois le jouer. Sinon, c'est difficile, évidemment, si rien n'est indiqué, ni indication métronomique, ni indication de mouvement, comme on l'a dit tout à l'heure, allegro, voilà, allegretto ou encore andante. Voilà. S'il n'y a pas aucune indication, mais c'est déjà que l'éditeur est un mauvais éditeur, parce que normalement, on doit indiquer effectivement une vitesse au départ. Doji, je t'en prie, Blaise. Doji nous dit exercice pratique pour les deux mains afin de jouer aisément les quatre parties. Alors, avec les deux mains, évidemment, il y a un autre aspect, évidemment, de la rythmique au piano, c'est l'indépendance des mains, bien sûr. On l'a vu, hein, j'en ai fait des tutos là-dessus. C'est-à-dire arriver à jouer des rythmes différents aux deux mains. Et ça, ce sont des exercices qu'on peut faire, Doji, quotidiennement, bien sûr. Alors, j'ai une playlist, hein, gratuite là sur la chaîne où vous pouvez travailler, évidemment, qui s'appelle Solfège
solfège rythmique débutant, une playlist, hein, sous l'onglet playlist. Et là, je fais travailler, évidemment, avec des exercices précis, je fais travailler donc l'indépendance des mains rythmiques cette fois-ci, d'accord ? Et vous trouverez aussi des exercices sur le shop.musicclassroom.com qui s'affiche actuellement donc sous le clavier ici. Vous allez trouver des exercices en téléchargement à tout petit prix, hein, sur l'indépendance des mains, justement. Je t'en prie, Pierre. Voilà, donc d'autres questions en tout cas sur cette rythmique, mais vous pouvez aussi maintenant me poser des questions généralistes, hein, sur la musique, donc en général, comme son nom l'indique. Vous pouvez me poser toutes ces questions. Coltrane me demande, que penses-tu du rythme Martenot ? C'est très bien, pourquoi pas, bien sûr. Je pense que ça fait partie de la musique. Martenot, c'était un moderne, hein, du XXe siècle, donc. Alors, le rythme, s'il y a une méthode particulière, je ne la connais pas, mais je connais Martenot sous la forme des ondes Martenot. Je ne sais pas si c'est la même chose ou si c'est un auteur simplement d'une méthode. Mais en tout cas, toutes les méthodes permettant de travailler le rythme sont bonnes, d'accord ? Moi, je donne quelque chose de très classique, ça s'appelle le Fontaine. C'est un Fontaine en deux volumes, hein, avec le travail en parallèle, donc des mesures, disons, simples, à temps binaire, et des mesures composées, à temps ternaire, vous pouvez le travailler. Ça s'appelle Fontaine, voilà, c'est un manuel de travail de rythme, effectivement. Pierre, comment devenir un pianiste pro ? Alors ça, je veux dire d'abord par la volonté d'en faire un métier, peut-être. Professionnel, ça veut dire que tu en fais déjà un métier. Et ça veut dire aussi un niveau, parce que quand on est professionnel, évidemment, on est censé avoir travaillé pendant des années pour atteindre un certain niveau. Voilà, j'essaie de répondre à ta question, qui est une question trop générale, bien sûr. Mais voilà, il n'y a que le travail, je pense, qui te permettra, évidemment, de devenir professionnel, si c'est un désir profond, parce qu'à ce moment-là, il faut mettre tous les moyens pour étudier pendant des années. Clic, rien à voir avec la rythmique, peu importe. As-tu prévu un tuto sur l'enregistrement studio ? Alors, j'ai déjà fait un tuto sur le matériel studio, home studio en tout cas, un studio à la maison et comment le monter. Il y a tous les conseils effectivement sur le matériel, etc., comment l'organiser. Mais on pourrait faire un tuto sur comment enregistrer par exemple avec des séquenceurs, hein, c'est-à-dire comment enregistrer donc une musique, comment enregistrer un arrangement. C'est un truc dont que je pense depuis un moment. Ça se fera certainement. Mais tu sais, comme il y a tellement de sujets à traiter, et comment donner des priorités les unes aux autres. Mais voilà, c'est une bonne idée également. Zinia nous dit, comment enseigner des adultes débutants ? Eh bien, écoute, Zinia, ce vendredi 9h, je mets sur la chaîne justement un tutoriel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concerne les débutants en tant qu'adultes. Je donne pas mal de conseils sur cette vidéo, mais également un exercice, et puis comment jouer un petit morceau, vraiment, quand on est débutant, un morceau même un assez intéressant. Donc je te conseille ce vendredi d'être à l'affût de ce tuto, de cette vidéo qui concerne évidemment les adultes débutants. Charles Lange, bonsoir. D'où vient les sept noms de la musique, plus précisément la note si? Tu me poses un peu une colle là. Je sais que chaque nom de note, c'est un petit peu le diminutif d'un mot, mais peut-être qu'en cherchant sur internet tu vas trouver. Je sais pas si c'est très important, hein, mais en tout cas voilà, bon, par curiosité tu dois chercher sur Google l'origine de ces noms là je ne sais pas, probablement je pense que je l'ai su et là j'ai oublié complètement, donc je pourrais pas répondre à ta question, mais ça doit être retrouvable sur Google, hein. Francine Sylvain, bonjour du Québec et bonjour à tous les Québécois et Canadiens qui nous suivent, en tout cas de langue française. Je suis ravie, Francine, de t'accueillir sur ce nouveau live et j'espère que ça te plaira et que tu nous rejoindras tous les mardis à 19h, heure de Paris, bien sûr. Wari, que veut dire jouer un accord à base d'une note, par exemple? Jouer un accord, par exemple, Do majeur ici, et puis en bas, je peux mettre même une basse qui ne fait pas partie, donc La bémol. Et j'obtiens La bémol augmentée, tu vois, augmentée 7 ici. C'est ça. Alors, Restream nous dit qu'on vient d'atteindre le 100e message sur ce chat, c'est assez bien. Vous êtes nombreux ce soir, hein, je pense que les vacances se terminent, c'est pour cette raison.
Ah, la tulipe nous dit merci Yves, Z trop fort, trop fort, on ne l'est jamais trop, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi en musique, mais voilà, après 40 ans de musique, voilà, je commence à emmagasiner pas mal de choses. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être éclectique, c'est-à-dire ne pas simplement m'adresser à des jazzmen ou à des musiciens classiques ou des gens qui font de la chanson. J'ai navigué dans tous ces domaines en tant que professionnel, donc maintenant, je peux effectivement en parler, voilà, c'est le temps qui me permet ça. Blaise, la gamme blues, on l'utilise quand? Bah souvent sur les accords de dominante, hein, Do 7. Voilà le blues, hein, avec ses deux notes caractéristiques, la tierce mineure sur la tierce majeure, ici la tierce blues, hein, et cette blue note, la quinte diminuée sur Sol bémol ici. C'est ça, ce blues, souvent sur les accords de dominante d'ailleurs. Wari, jouer accord de Ré majeur sur la base, une basse de Si, pourtant dans l'accord on ne trouve pas la note Si. Pourtant dans l'accord on ne trouve pas la note Si. Oui, ben Ré majeur sur Si, ça fait un Si mineur 7. Voilà. Ousni nous dit bonjour, comment jouer en comptant les rythmes dans sa tête? Eh bien en général on ne compte pas, on le ressent le rythme. C'est-à-dire la pulsation, le tempo, on doit le ressentir donc intérieurement. Donc on ne le compte pas. On essaie de le ressentir plus que de le compter, bien sûr. Nicole, la formation complète improvisation jazz actuellement en promo. Oui, est-elle faite pour un niveau débutant? Alors de toute façon, pour chaque formation, et celle-ci en principe, oui, effectivement, il y a une promo de 50% sur l'improvisation jazz actuellement, je crois, pendant une semaine jusqu'au 8, je crois, 8 mars, hein, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Donc. Eh bien, cette formation, toutes les formations, de toute façon, commencent toujours par les bases, c'est-à-dire la connaissance des accords, la connaissance évidemment des gammes et des relations gamme-accords, etc. Il faut toujours donner une base. On ne peut pas commencer un titre sur l'improvisation sans avoir donné les bases. Donc oui, il y a toujours des bases. Pierre nous dit « Ouf, 40 ans, c'est un sacré temps. Quoi de plus normal que vous soyez prof ?» Oui, prof, et puis je pense que c'est une expérience, puisque la musique, c'est une question de maturité, tu sais. Hein, c'est un petit peu comme un fruit, hein, que tu manges pas vert, mais que tu attends qu'il mûrisse. Voilà, donc c'est pas seulement prof depuis 40 ans. J'ai commencé à 17 ans d'enseigner, tu sais. Mais c'est également professionnel, puisque j'étais compositeur, arrangeur et réalisateur, et puis ensuite producteur pendant pas mal d'années aussi. Voilà, ça aide. Ah, la tulipe, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un QCM pour savoir si c'est binaire ou ternaire? Oui, oui, on peut en faire. J'ai fait des QCM, j'ai fait des lives également pour l'oreille, la reconnaissance des intervalles, tout ça. Oui, c'est une bonne idée, peut-être pas ce soir, parce que je vais répondre, je me concentrerai sur les questions que vous posez, mais oui, c'est une idée aussi, on peut faire un QCM sur la rythmique. Coltrane, les notes de la gamme majeure sont issues de l'hymne de la Saint-Jean. Ah, c'est très possible, donc tu as pu regarder sur Internet. D'accord, bon, est-ce que ce sont des abréviations pour des mots? Peut-être que tu pourras nous répondre si tu as l'info. Zinia nous dit merci de partager votre expérience. Ben, merci aussi de me suivre, puisque c'est grâce à vous que tout ça existe. L'Explose MH4U, bonjour, j'ai un problème, je suis complètement crispé à la main gauche, je n'arrive pas à jouer une rythmique sans être précise et continue. Une solution, un exercice? Oui, la main gauche doit être travaillée évidemment à part, hein, donc toujours à part, parce qu'elle est plus faible, je le reconnais. Mais c'est surtout l'indépendance des mains entre la main gauche et la main droite que tu vas devoir travailler. J'ai fait beaucoup d'exercices, hein, sur la playlist, donc solfège rythmique débutant, que vous trouverez sur la chaîne, évidemment. Travaille ta main gauche à part, voilà, avec un métronome, c'est ça. Effectivement, c'est ce qui va permettre de délier un peu ta main gauche. Hein. Nicole nous dit c'est super, merci. Jonaline, bonsoir, bienvenue. Vur, F-I-Y, là je ne sais pas ce que ça veut dire, donc soyez Jonaline, sois plus précis dans ce que tu veux dire. Daniel Claude nous dit les accords 7 bémol 5, oui, ont-ils une fonction particulière dans un morceau? Oui, effectivement. Je vais prendre par exemple en Do majeur. Donc l'accord de Do majeur. Alors si tu es en Do mineur, avec un Mi bémol ici, tu vois.
fois, tu es en Do mineur. Le deuxième degré sur une gamme mineure, c'est un accord effectivement 7 bémol 5. Ici qu'on appelle cet accord donc demi diminué, Ré, Fa, La bémol, Do. Donc il est placé ici, tu le vois, sur le deuxième degré en mineur, dans une gamme de Do mineur par exemple. Et il est placé aussi Si, Ré, Fa, La ici, je le prends, bémol 7, tu vois, 7 bémol 5, donc demi diminué aussi, sur le septième degré de Do majeur. Sur Si donc. Voilà, ça a donc une fonction de sous-dominante, c'est-à-dire qui prépare la dominante. Par exemple, si je suis en Do mineur, je peux avoir un Ré demi-diminué ici, qui précède la fonction dominante Sol 7 et Do mineur, premier degré. Donc 2, 5, 1 en mineur finalement. D'accord ? Voilà une fonction. Coucou ! Bonsoir, comment ne pas se blesser en exécutant les glissandos? Ah oui, c'est une bonne question. Moi, je me suis fait mal plusieurs fois en faisant ceci. Il faut avoir un doigt extrêmement souple quand tu fais ton glissando. Alors, quand il s'agit d'un clavier numérique, ça va, ça passe, parce que les touches sont automatiquement plus légères que sur un vrai piano, hein, et en particulier des pianos acoustiques. Mais tu vois, il faut le faire peut-être avec deux doigts au lieu d'un seul. Voilà, ou sur les touches noires. Voilà. Voilà, et ne pas trop appuyer, parce que si tu appuies trop, effectivement, tu peux te blesser. Certains le font avec deux, certains le font avec trois doigts, comme cela, hein, c'est-à-dire ici devant la caméra, donc tes trois doigts là, ou avec ces deux doigts là, index, et au milieu ici, donc le majeur. Voilà, et donc avec le Do, hein, presque sur les ongles et non pas sur la main comme ça. On pourrait aussi sur la main, mais ça se fait avec la main renversée de cette façon-là, hein, d'accord, comme ça. Voilà pour les glissandi. En jouant le piano, nous dit Silver, comme gamme majeure, on doit jouer le septième de dominante toujours. Ou bien on peut jouer le cinquième niveau à trois notes. Y a-t-il un problème? Je ne comprends pas bien la question, Silver. Attention aux termes, parce que voilà, la musique, c'est des termes précis. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. On doit jouer le septième de dominante sur une gamme. Je ne comprends pas. Soit un accord, soit une gamme. La septième de dominante, c'est un accord, et non pas une gamme. Ou bien jouer le cinquième niveau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le cinquième niveau à trois notes. Voilà. Si tu veux préciser, j'essaierai de te répondre. Blaise nous dit, comment on joue la louange, s'il vous plaît? Alors, on m'a déjà posé, Blaise, cette question. Alors, je n'en joue pas, donc je ne sais pas quel est, s'il y a un style vraiment attaché à la louange. Donc ça, je ne peux pas te répondre, je suis désolé. À la tulipe, comment faire pour m'enregistrer avec un clavier qui a des touches bleues comme toi? Alors, quel est le problème de l'enregistrement et de la couleur bleue? Je ne vois pas le rapport à la tulipe. Comment faire pour m'enregistrer avec un clavier? Ben, il faut que tu aies un ordinateur, par exemple, un ordinateur qui est relié à ton clavier, hein, soit en MIDI, soit par un autre système, en USB, par exemple. Et donc, avec un logiciel qui pourra enregistrer ce que tu joues, effectivement, sur ton clavier. Voilà. Donc, il te faut ton clavier, un ordi, et puis un petit logiciel, même gratuit, qui puisse enregistrer tout ce que tu joues. Voilà, simplement. Ram Fils Charles nous dit « Bonsoir, Yves, je suis au travail, je vous suis quand même, merci pour ces cours. Bah, » c'est avec plaisir, hein, les cours sont gratuits, en tout cas les lives et les tutos sont gratuits. Alors sur là, évidemment sur le shop.musicastroom, il y a des choses payantes, bien sûr, pour ceux qui veulent approfondir, hein, qui veulent avoir des formations plus complètes, ou alors des méthodes, ou bien des exercices plus complets, effectivement, téléchargement, hein, vous trouverez ceci. Sinon, tout le reste est gratuit. Coltrane nous dit « L'explication de la musique me semblait inabordable, mais grâce à tes cours, finalement, en dehors du gros travail technique, c'est juste une affaire de cadence pour ce qui est l'Occident. » Une affaire de cadence, oui, l'explication de la musique. En général, l'explication de la musique. Pourquoi cadence particulièrement? La musique comprend beaucoup d'autres choses, Coltrane. Oui, effectivement, on a parlé des cadences, en tout cas, ce qui est de l'Occident. Tu veux dire de la musique occidentale, c'est-à-dire de la musique tonale, finalement. D'accord. Silver, par exemple, progression 1-5-1. Oui, 5,
doit être obligatoirement septième. Non, 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 on peut avoir des accords à trois sons. 1 en Do majeur, 5 Sol, Si, Ré et retour à Do. D'accord? Maintenant, tu peux mettre des septièmes. Et septième de dominante, ici, avec une septième, et retour à une septième majeure. Ça dépend du style, évidemment, Silver. Autre question. Voilà, Silver, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions généralistes ou une question comme qui vous taraude un peu, auquel vous n'avez pas une réponse? Guiton nous dit, quelle est la tonalité d'un blues dit majeur dont les accords sont... Oui, effectivement, parce que le blues, en fait, on dit un blues ici, par exemple, en Do. D'après ton exemple ici, Do 7, Fa 7, Sol 7. Parce que le blues met des septièmes de dominante sur tous les accords, en fait. Le 1, le 4 et le 5, comme tu le dis ici en Do. Donc voilà, on dit que non pas que c'est un blues majeur, mais on dit que simplement que c'est un blues voilà, en Do. Et attention, tu dis un peu. Voilà, un blues en Do, donc on dit en Do majeur. Mais attention, c'est vrai qu'il y a des blues en mineur. Do mineur. Ça sonne moins blues, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de septième de dominante, évidemment. Ça sonne mineur. Blaise Ellie nous dit, tu peux me donner un accord de passage de premier pour passer au quatrième? Oui, on l'a déjà vu, je crois, tu avais déjà posé la question. Effectivement, on peut avoir, pour aller de Do majeur à Fa majeur ici, on peut avoir des notes de passage, le Ré et le Mi, c'est-à-dire Mi, La, Sol. Donc Do, Ré, Mi à la basse, vous le voyez, et pour arriver à Fa. Ça peut être aussi chromatique. Do dièse, Ré, Ré dièse, et Do pour aller à Fa ici. Voilà, ça peut être chromatique, c'est-à-dire des notes de passage, c'est-à-dire des notes qui créent un pont entre le Do et le Fa. Donc ça peut être diatonique, Do, Ré, Mi, Fa, ça peut être chromatique, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Tout ce qui peut créer un pont au niveau de la basse, eh bien, sur cette basse, je peux donner des accords de passage, évidemment, sur ces notes de passage à la basse. D'accord ? Doji, comment faire un intermède basique au cours d'une chanson ? Qu'est-ce que tu entends par intermède ? Est-ce que c'est un break? C'est ça que tu veux dire, Doji, peut-être, au cours d'une chanson? Ben, simplement, le break est souvent instrumental, c'est un peu le lieu des solos, etc. Alors le break, il peut être basé sur le couplet ou sur le refrain dans une chanson, mais ça peut être aussi un break rythmique aussi, hein, sans grille d'accord, sans accord, etc. Voilà, enfin, il y a beaucoup de cas différents, hein, évidemment, hein. Coltrane, en effet, l'accord à trois sons, sans la septième bémol, est-il aussi un accord de dominante? Oui, tout à fait. La dominante, c'est un degré. Par exemple, si tu es en Do majeur, le cinquième degré, c'est Sol majeur. D'accord? Donc, à partir du moment où tu es en Do majeur, ben, Sol, Si, Ré, c'est toujours une dominante. Voilà, même s'il n'y a pas la septième. C'est une dominante. D'accord? C'est l'accord du cinquième degré, donc dominante. Abel Faudio nous dit, moi, je vous suis tous les jours. Eh ben, moi aussi, Abel, je te vois très très souvent sur Facebook, notamment, où tu publies pas mal de vidéos, évidemment, soit en studio, soit chez toi. Et évidemment, on te suit régulièrement. J'écoute ce que tu fais, hein, j'écoute toujours beaucoup de choses. Et donc, c'est bien que tu sois aussi actif, en tout cas. Et je t'encourage à poursuivre, à continuer en tout cas. Xavier nous dit, comment joueriez-vous des croches ou double croches sur un tempo lent, juste pour rendre compte du... Bah, exactement comme sur un tempo rapide, hein, Xavier, ça ne change rien. La croche, les doubles croches, ce sont des rythmes, hein, des valeurs de notes qui s'adaptent à un tempo. Alors que ton tempo soit lent comme ça, voilà, croche. Thank you.
ou sur un tempo rapide. Ou des doubles croches. Donc ça dépend pas du tempo, les croches et les doubles croches c'est relatif comme rythme, d'accord, ça dépend de ton tempo de base, donc elles seront plus ou moins rapides simplement. Blaise, je t'en prie, Blaise nous dit aussi c'était un plaisir de vous regarder, et ben c'était un plaisir de t'avoir aussi ce soir Blaise. Donc on va approcher finalement des 20h, donc nous dit, je prends une dernière question Guiton, donc pour vous, un blues avec Do, Fa 7-7, un blues tonalité de Do majeur? Non, justement, j'ai dit un blues en Do, j'ai pas dit en Do majeur, c'est un blues en Do, simplement. Quelle est la musique jouée avant l'ouverture du live? Bah, c'est une petite musique de trio jazz, hein, voilà, c'est pas une impro, c'est un thème, voilà, un thème qui est, que j'avais choisi, c'est une des musiques sans droit d'auteur, hein, qui permettent donc d'être utilisées sans avoir de soucis de droit. Voilà Jean-Gilles. Donc, on va peut-être arrêter là, il est 20h. Je vais vous donner rendez-vous à mardi prochain, 19h. J'annoncerai donc le sujet du live dans l'onglet communauté de la chaîne Music Classroom, donc quelques jours avant le début du live. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager ce live. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine. Je t'en prie Xavier, Nadia, bienvenue en tout cas sur tous ces lives et ces prochains lives. J'espère être toujours ici pour vous distiller un petit peu des sujets différents. Voilà, la prochaine fois, je crois, mardi prochain, ça sera donc le sujet, si je ne me trompe, sur l'harmonie au piano, les bases de l'harmonie au piano. Voilà, et si ça vous intéresse, et ben vous serez les bienvenus. Salut à la Tulipe, bonsoir Martin, salut Roger, merci aussi à toi Jean-Gilles. Sandrine, je te dis merci, bonne soirée, passez une belle semaine. Si vous avez loupé le début de ce live, vous le retrouverez donc ce soir tard, hein, sur la chaîne, ou bien demain matin, et vous pouvez le revoir donc dans son intégralité. C'est l'avantage évidemment des vidéos. Merci à toi aussi Jean-Marie, Doji. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis donc à très très vite donc sur la chaîne Music Classroom et sur ces lives en particulier tous les mardis soirs à 19h et tous les tutos donc sont mis en ligne le vendredi matin à 9h. Eh bien, belle soirée à vous et salut!